Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode. On va continuer à aller dans la grotte où on avait trouvé l'espèce d'alien, le nid d'alien, je crois. Je sais pas s'il y en avait dans le film Prometheus, c'est des trucs comme ça, non? Je sais pas si vous savez. Donc on va y retourner, parce que je veux bah, prendre déjà l'uranium et puis voir si on peut récupérer le truc, quoi. Ah, c'est délire quand même. Il va être terrible ce jeu, je vous le dis, moi. Donc, on est rechargé à bloc. Ouais, oxygène c'est good, la faim c'est good. Ouais, c'est mieux. Allez, c'est parti. On va mettre le câble juste avant la bifurcation. C'est par ici, je crois. Ouais, c'est là. Oh putain, j'aime pas ce. Donc à chaque fois, c'est à droite, à son quoi qu'il arrive. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est par là, je crois. Ouais, c'est ça. Parti. Allez. Oh putain, il y a un truc là-bas, il y a un truc. Oh putain. Bien fait de retourner. Et bon, c'est bon, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Attendre que ça se calme. Je pense à mettre des. Oh putain, il y en a un autre là. Bleu par terre à côté. N'inquiétez pas, j'arrive mes petits. Me faire bouffer, ça se trouve. Non, on peut toujours pas le récupérer. Oui, ben c'est bon, respire toi aussi là, Josiane. Mais qu'est-ce qui est radioactif, c'est ça ou l'uranium? L'uranium, hein. Ah, non, là, y a plus, y a plus, y a plus. Attendez, on va déjà ramasser tout ça. Une super découverte, hein. Un truc bleu, je sais pas c'est quoi. On l'avait vu au bout de la grotte la dernière fois, là. On pouvait pas passer. La roche, l'aspect étrange. Ouais, ben non, j'appelle pas ça une roche, moi. Attendez, on va passer un truc. Ça se trouve, le truc qui va s'ouvrir. Vous allez me voir courir comme un dératé là dans la grotte. Voir ce que c'est ça. C'est quoi ça? Oh, c'est de l'eau. Vous êtes sérieux là? Ok. Petite fille là. What? On peut le récupérer, non? Mais lâche-le. Mais lâche-le. Oh, le bug graphique, quoi. Ah, si, je peux le récupérer. My God. Qu'est-ce que c'est que ça, you? Oh, je ressens pas quelque chose qui n'est pas de ce monde. Ah bon, t'es sûr? C'est
C'était une bonne idée de le prendre. Je me rappelle du film Alien, hein, tu sais, il le récupère comme ça, puis après, part en couille, hein. Eh bien, écoutez, super découverte. Je savais que c'était une grotte d'uranium, ça. Donc, dans la première où on a été, ça doit être pareil. Mon câble, il est où? Il est là. Bah, écoutez, c'est cool, hein. J'ai trouvé des aliens, de l'uranium. Lol. Mettre ça dans ma base, là, je vais me faire démonter la base. On retrouve avec des aliens, là. Et j'ai même pas pris de photo encore. Bon, Josiane, tu arrêtes. Je suis en train de rentrer là, tu vois pas? Voilà. Allez, goose. Alors, ils ont voulu faire un petit clin d'œil. Donc, on va aller voir la base qui est là-bas. On va se recharger un peu. Combien j'ai ramassé d'uranium là? 35, 52 en tout. Punaise. Il y en a deux, ouais, il y en a deux. C'est pas de ce monde. Je sais, mais bon. Est-ce que Jar Jar est de ce monde? Allez, recharge-toi, toi. Suit, Ah oui, je voulais recharge. voir si j'avais des. Oui, j'en ai. On va mettre ça là, hein. On ne sait jamais. Donc, on avait dit qu'il y avait une base quelque part là. Elle est où? C'était où déjà? J'avais vu une base. J'avais vu de là-bas tout à l'heure. J'avais fait tout le tour. Je crois qu'on l'avait vu au début, avant que je fasse le tour. Ça, on est venu. On a fait le garage la dernière fois. C'était quand on s'était approché de l'entrée que je l'ai vu. Waouh, c'est frise que j'ai là. Ah si, c'est là-bas, j'avais bien vu. On voit que c'est délimité hein, ici. Hein, au sol. Je suis super loin de ma base, il m'a su une demi-recharge de jus pour mon rover. Il y a encore une grotte là-bas. Putain, il y en a partout. Remarque avec le panneau solaire que je vais récupérer, là je vais pouvoir me faire un panneau solaire pour recharger un peu le rover. Tac. Parti. Aziz, lumière. J'ai une boîte. Ah ouais, c'est encore tout neuf ici. Bien sûr, dans ce casier, il n'y a toujours rien. Ça, c'est dommage. Encore des semences, voilà. Comme si j'en ai pas. Ah, ça, je l'avais pas. Ça, c'est quoi ça? On verra après. J'aimerais bien trouver les pièces du robot là. C'est close ça. C'est quoi c'est? Il y a du verre dessus? Ouais. C'est pas mal.
C'est la même chose, quoi. Encore des semences. Voilà. Putain, je suis dégoûté. C'est quoi comme semence? Chargeur de semences d'arbres à oxygène. Épicéa. Water refilled. Ok, bah c'est super. On va vachement avancer. C'est quoi ces porteurs? C'est tout. Un câble en suspension là, c'est normal ça. Écoutez, je prends. Ce genre de capsule. Où il n'y a rien dedans. M'énerve. Bon bah écoutez, moi je vais démonter tout ça, vite fait. On va retourner au niveau des rochers là que j'installe ma base. J'ai bien envie d'aller voir l'antenne aussi là-haut là. On va y aller rapidos. Enfin l'antenne. Je présume que ce soit une antenne mais... Ça, je l'ai dans mes fabrications, mais je peux pas les faire. Ça peut pas monter là, pitié. Et là, on peut mettre une carte, mais ça se referme aussitôt, donc je sais pas. On vient de là-bas. Ok. Bon les gens, moi je vais démonter ça vite fait et on se retrouve après, ok? Allez, à tout de suite. Bon les gens, je suis de retour. J'ai posé un panneau solaire pour recharger un peu le rover là, mais là... Voilà quoi. Indirect. Mon rover. J'ose pas bouger. Putain, ça va durer encore 3 jours ça. Oh là là. Wow. C'est pas le même tornade que... C'est pas des tornades ça. C'est Dust Devil, ils appellent ça, je sais pas quoi. C'est plusieurs petites tornades en fait. Bon, en tout cas, je bouge pas. Mais tant mieux, tant que je suis là, ils sont pas à ma base. Donc ça c'est bien déjà. J'espère. Après, je vais peut-être sauvegarder, voir ce que ça donne. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va sortir. On va voir ce que ça fait. Ça fait rien leur truc. MDR. Vas-y, hein, nous on va continuer à démonter, hein. Good. Ok. Dernier bout démonté. Bah oui, si on craint pas grand chose avec ça. C'est les grosses tornades qu'il faut craindre quelque chose à mon avis. Je vais voir si mon rover est chargé. Elle est où l'antenne? Il y avait une antenne là, il y a... Non? What? Elle a été envolée. Tac. Ouais, il est pas chargé des masses, mais. Il est pas chargé du tout même. C'est cool, j'ai récupéré plein de câbles.
Question. En charge, lui, hein? Putain, ils m'ont débranché mon câble, cette bande d'enfoirés. Mais il y avait une antenne là en haut, là, non? Putain, ils ont déglingué l'antenne, quoi. C'est toujours là, elle, hein. On va la récupérer. Tac. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. M'intrigue. Il y a encore une zone rocheuse là-bas. Putain. Ok, donc c'était rien. Au moins, je t'ai voir. Enfin, c'était rien, c'était un rocher. Je sais pas pourquoi il y a un seul rocher là-dedans, mais bon. On se posera des questions la prochaine fois. J'aurais dû laisser ma remorque au garage. Je suis passé par là avant. C'est tellement grand, putain. Pourquoi y a plus de musique là? Je jette un coup d'œil. Ce qu'il y a dans le creux là-bas, non? Non. Non. C'était où le hangar là tout à l'heure? Tant que je suis là, je regarde ce qu'il y a dans le creux là. Ouais, y a rien. Non! J'ai tout pété. Bon, la zone rocheuse que je voulais faire, elle est là. Attendez, parce que ça m'intrigue, ça, un rocher là tout seul comme ça là. Putain, 1000 morceaux là, il s'est pété le bordel. Allez, ramasse-moi ça vite fait là. Hein. Très bien comme ça. Oh, je sais plus où c'est que se trouve la zone là, où j'étais en premier là. Il y avait le garage. On va se faire comme on a dit. Pourquoi j'ai mis un truc là-bas là. Bien d'ici que je suis arrivé, ouais. Ok. Est-ce que j'aurai assez déjà pour faire un broyeur?
C'est une autre histoire. Ah, j'en étais sûr. Putain. Glandu, quoi. Bon, c'est pas grave. Habitation. On peut le mettre sans rien, lui. Ben non, il faut un couloir. On va te faire un couloir, t'inquiète. Fonction standard. Il va manquer un moteur. C'est good. J'ai pas un moteur là-dedans. Ben non, t'as pas de moteur, Troduc. Tac tac tac, je sais. Mais c'était pas ça que j'avais récupéré. Pourquoi ça s'est transformé en eau? Les espèces d'aliens là, ça arrive. Je suis dégoûté. Tac. Par contre, là, cette musique. Tu vas te retrouver bloqué. Fais le tour, garçon, là, au lieu de faire tes conneries là. Là, pas loin, je sais pas où elle est, bordel. Il y avait un garage aussi, est-ce que c'est par là plutôt? Non, c'était pas par là. Je m'en rappelle plus. Ah, on va essayer de trouver un autre endroit pour récupérer de la ressource. La batterie, c'est chaud. Hein. Vous savez quoi, je vais rentrer à la base. Je vais prendre des ressources. Je vais revenir installer tout ça. Sauf si je trouve des ressources avant, quoi. Et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo si je suis pas bloqué. Oh putain. On va jeter un coup d'œil par là. Il y a encore une zone de rocher là, putain. On va peut-être dû m'installer ici, non? On était plus près. En tout cas, j'espère que le rover il va arriver à destination parce que là ça va être tendu du string là, je vous le dis. Ouais, cette zone elle peut être pas mal là. Il n'y a pas une base dans le coin quoi. Oh putain, tu vas te retrouver bloqué là. T'es passé par là toi aussi là, trou du fiac là. Oh là là là. Il descend de la montagne en rover. Il va se retrouver bloqué.
Putain, trop du fiac que tu... Mais pourquoi tu passes par là? Il va faire nuit en plus là. Allez, dépêche-toi un peu là. Je suis encore loin, hein, putain. Putain, il n'y a pas un endroit où il y a de la ressource là. Ben, si, il y en a, mais... C'est que des rochers, quoi. Oh là là, la nuit est tombée, putain. Oh putain, j'aime pas ça. Oh putain, oh putain. Ok, on a réussi à rentrer. Charger ça vite fait là. J'espère qu'il y aura du jus dans le truc. Oui, bah 2 secondes, toi. Ouzian. C'est bon? Allez, c'est parti. Tac. Allez, ferme-moi ça, toi. C'est pas possible. Ça aussi, là, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Oui, je suis dehors, hein. Putain, je suis con. Ça m'énerve. Je savais qu'il fallait que je fasse un sas. Que voulez-vous? Allez, allez, réveille-toi là, allez. Pas le temps, là. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, là. Vous savez quoi, on va faire le tour parce que Marie a tout déglingué là. Putain. Oui, bah, je fais ce que je peux, hein. Mais là, il va pas y avoir d'eau aussi. Là. Bon les gens, on va se quitter ici. On verra la prochaine vidéo, on recommencera d'ici, on regardera dans notre serre ce qui s'est passé. On va mettre un sas à l'ouverture là-bas là parce que ça m'a saoulé là. Et puis après on retournera au camp rocheux là, histoire qu'on installe une petite base. Et puis on aura fait un autre tour ailleurs quoi. Ok? Allez, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas les petits likes, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.